Papi Gen Tolobelavie. Papi Gen Tolobelavie. Papi Gen Tolobelavie. Papi Gen. Papi Gen Tolobelavie. Papi Gen Tolobelavie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Kuna balobi nini. Merci, honorable présidente, honorable député et chers collègues. Nous intervenons par motion d'ordre selon la disposition de l'article 78 de notre règlement intérieur. Chers collègues, nous sommes devant une question sérieuse, une question qui constitue l'avenir de notre nation et le bien-être de notre population. Voilà pourquoi nous voulons que beaucoup plus de sérieux puisse caractériser cette démarche. Chers collègues, l'article 70 de notre règlement intérieur stipule: le règlement, les documents de travail doivent être distribués en dehors au moins 48 heures aux membres de la plénière ou aux députés. Dis-moi s'il y a un cas d'urgence. Mes chers collègues, nous nous retrouvons devant deux documents. Heureusement, on nous a aidé avec le deuxième document. Le premier document, on a accusé réception. C'est un document officiel qui vient de notre bureau. Nous voyons l'accusé de réception de l'Assemblée nationale, il y a l'accusé de réception du bureau de notre présidente. Et ce document, chers collègues, un même signé, nous connaissons l'auteur. C'est M. Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, qui a même signé en date du 30 août 2019. Mais de l'autre côté, chers collègues, il y a un document qu'on vient de nous remettre. Un document, certainement qu'on a mis le nom d'un certain Ilunga Ilunkamba, mais qui n'a pas signé, chers collègues, ce document. Et ce document, on n'a même pas accusé réception par notre bureau. On se demande, chers collègues, d'où vient ce deuxième document. Et le document qui nous a été remis, nous nous sommes préparés, nous sommes venus ici, chers collègues, nuitamment chercher ce document. Parce qu'on nous a bousculé que le bureau de notre rapporteur était ouvert jusqu'à 20h17. Et nous sommes venus, nous nous sommes préparés là-bas. Mais le discours que nous avons entendu, chers collègues, n'a rien à voir, on était tous perdus. J'ai regardé même le service administratif de notre Assemblée, ne se retrouvait pas. Il a fallu que quelques collègues d'entre nous envoient le papier à notre bureau pour que le bureau demande à ce qu'on puisse multiplier un document dont on ne connaît pas la provenance, chers collègues. Voilà pourquoi, chers collègues, nous ne demandons rien d'autre à notre bureau que le respect de notre règlement intérieur. Au cas contraire, si on va adopter, comme vous êtes souverain, pour une démarche cavalière, le peuple sera témoin de notre démarche. Je dis merci. Nous avons entendu l'intervention par motion de notre collègue. Et comme l'exige la procédure, nous allons demander 2 pour et 2 contre. 1 contre, l'honorable Likinda. Apprécie, c'est son droit, il est député, il peut prendre la parole à tout moment, mais sa motion d'ordre n'a pas sa raison d'être. Honorables députés, chers collègues, ce n'est pas la première fois que je siège dans cet hémicycle. Ce sont les vices et coutumes parlementaires. Je m'explique. Ici, nous n'avons qu'un seul document. Il n'y a pas de document. Nous avons le programme intitulé Programme du gouvernement. Le deuxième document qu'il considère comme étant un document, à mon humble avis, ce n'est pas un document officiel. Preuve en est que vous ne trouverez pas ni la cuisine de réception, ni le cachet de l'Assemblée. Ici, c'est un programme, un discours programme. Et donc, c'est par souci du Premier ministre, il faut débattre. Nous sommes liés par le premier document intitulé Programme du gouvernement. Ici, c'est le discours, et c'est bien mentionné, discours, programme. C'est ici où vous allez trouver. Honorable Président, honorable membre du bureau, je vous donne un exemple. Quand le gouvernement vient nous déposer la loi de finances de l'exercice X, on nous amène des syllabis. Mais quand le Premier ministre, chef du gouvernement, passe ici, il vient avec la synthèse, il vient avec un discours, les grandes lignes. Et si nous avons suivi attentivement le Premier ministre, tout ce qu'il a prononcé dans son programme, dans son discours programme, ça se trouve ici. Ici, c'est la synthèse. Et c'est le document que nous sommes liés. Ici, c'est son discours qui nous a donné comme référence. Donc, chers collègues, nous ne pouvons pas suivre les égarements de notre collègue. Nous allons rejeter purement et simplement sa motion d'ordre et nous allons continuer la séance. Nous avons entendu l'honorable Likinda. Voilà. La procédure exige 2 pour, 2 contre. Nous avons entendu un pour. Je voudrais entendre un contre. Honorable Daniel Safou. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, que nous sommes de l'opposition ou de la majorité, je vous renvoie à la pensée. La chose la mieux partagée au monde, là c'est René Descartes, hein, vous précisez. Je vous renvoie à la pensée de René Descartes, il dit dans les discours de la méthode, la chose la mieux partagée au monde, c'est la mathesis universalis. C'est-à-dire la rationalité. Là, nous nous retrouvons tous, et l'opposition, et la majorité, c'est la rationalité. Madame la Présidente, vous avez une communication, n'est-ce pas, du Premier ministre, qui entre en contradiction dichotomique avec les documents en notre possession. Madame la Présidente, est-ce qu'il n'y a pas moyen dans l'ordre des possibilités, nous allons débattre sur base de quoi? Nous n'allons pas débattre dans les stratosphères. Nous devons débattre sur base d'un document en notre possession. Sinon, nous n'aurons pas un débat de qualité. Je dis, je vous remercie. Tolérance, s'il vous plaît, tolérance. Nous avons entendu l'honorable Safou. La salle, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, nous serons obligés de vous évacuer. Tolérance, s'il vous plaît. Un contre est intervenu, nous poursuivons avec un pour. Un pour, honorable Luquin. Un contre, pardon. Je crois que les gens se bousculent. On va laisser la parole à l'honorable Massamba. Et voilà. J'interviens contre en particulier parce que, et vous le voyez très bien, Madame la Présidente, que nous risquons de nous perdre dans des conjectures, de savoir quel était le premier document. Ici, ce sont des parlementaires qui avaient reçu suffisamment tôt un document qui stipule bien que c'est un document résumé d'un discours. Mais plus que le discours du Premier ministre, honorable présidente de l'Assemblée nationale, j'aimerais rappeler à cette Assemblée, à cette distinguée haute Assemblée de la Nation, que le moment ici est un moment éminemment politique de la vie de la Nation. C'est aujourd'hui que va se cadrer l'avenir sur les 5 années que va durer la coalition issue d'une première alternance démocratique, pacifique, réussie dans notre pays. C'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité de chaque honorable parlementaire ici devant de considérer ce moment comme un moment où nous allons constater, prendre acte qu'il existe bel et bien une coalition de pouvoir pour gouverner la République démocratique du Congo. Donc, Madame, honorable présidente de l'Assemblée nationale, c'est la première rencontre politique du nouvel ordre politique en République démocratique du Congo. Et nous avons devant nous le Premier ministre, un homme d'excellence, professeur d'université, et nous avons à ses côtés... Honorable Massamba, allez droit au but s'il vous plaît. Nous avons à ses côtés les hommes qui ont été proposés par les forces politiques de la nation et qui ont la majorité ici. C'est pour ça que je demande à cette majorité de consacrer leur gouvernement ici, aujourd'hui. Et je vous remercie. Honorable présidente, honorable député et chers collègues, un sage de notre pays avait dit « Lorsqu'on fait la politique sans éthique, on ruine la société. » Le faux débat dans lequel nous voulons maintenant nous repose cruellement la problématique de la moralisation de la politique dans notre pays. Bien entendu, nous avons toute la considération pour son excellence, Monsieur le Premier ministre. Mais la rectitude morale devrait nous amener à constater que depuis 48 heures, nous avons reçu un document avec accusé de réception de notre bureau. C'est cet accusé de réception qui fait foi. Aujourd'hui, nous avons assisté à un discours du Premier ministre, mais c'est par correction, par respect pour Ilunga Ilunkamba, que nous n'avons pas voulu perturber son discours et intervenir. Dans les us parlementaires, le Premier ministre devrait nous présenter son programme suivant le document qu'il a déposé en bonne et due forme dans notre bureau. Alors, pourquoi voudrions-nous nous inscrire dans un schéma cavalier pendant que, dans son discours, le Premier ministre aura été, l'on ne peut plus clair cette fois-ci. Faisons un choix. S'il faut donc que nous humilions ce gouvernement en faisant nos analyses sur la base du premier document vide qui nous a été donné, alors, chers amis, qui êtes comme des chantres pour ascenser l'inacceptable, vous aurez à emporter la responsabilité. Mais si nous prenons la République au sérieux et que nous considérons que nous devons avoir un gouvernement responsable vis-à-vis du peuple congolais que nous représentons, je pense, honorable présidente, avec tout le respect que nous vous devons, nous devons reconsidérer cette procédure. Qu'il soit donné le temps, sans faire de faux fuyants, aux honorables députés de découvrir, d'analyser le discours programme du Premier ministre, et sur la base de ce discours programme, nous aurons à faire des interventions pertinentes. Faire autrement les choses, c'est comme si on se reprochait de manque de rectitude de politique pour emmener le peuple congolais dans des dérives d'un certain activisme pernicieux. Nous avons dit pour soutenir cette motion de notre collègue et nous vous remercions. Papi Guen Tolobelavie. Papi Guen Tolobelavie. Papi Guen Tolobelavie. Papi Guen. Papi Guen Tolobelavie. Papi Guen Tolobelavie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Kuna balobi nini.